pour la troisième année, l'association RELF organise la fête de la montagne, cette année sur le territoire de la communauté de communes de Caillard et antérieurement sur le Brugeron et Thiers. Et donc il y a plusieurs circuits qui sont proposés aux randonneurs, 25 km, 14 km, 6 km et des balades accompagnées et également des animations sur l'acrobranche et le golf. Donc c'est fait en coordination avec la Coordination Montagne, qui est une association nationale et qui organise depuis 4 ans cette fête de la montagne le dernier dimanche du mois de juin. La Coordination Montagne, c'est une association qui réunit des institutions qui travaillent ensemble sur le développement, la valorisation des sports de montagne. Et du coup, la fête de la montagne qui a lieu aujourd'hui, c'est l'événement qui est destiné à faire un coup de projecteur sur les sports de montagne et les activités de montagne en début d'été pour essayer de booster un petit peu la fréquentation des territoires montagnards, et notamment des territoires ruraux, l'été. Je suis de Saint-Amand, donc pas très loin, et je voulais connaître un petit peu les chemins autour de Caillard. En courant tranquillement. En courant, on va essayer de courir. Cette année, on a la particularité, c'est qu'on a été choisi comme un événement préférentiel sur le massif central, et donc il y a 5 événements qui sont retenus sur la France, dans les Vosges, dans les Alpes et ainsi de suite, et on fait partie de ces 5 événements, donc pour nous c'est tout à fait intéressant de pouvoir travailler. Notre but, c'était de faire découvrir le territoire du parc Livradois-Forez pour faire venir un petit peu plus de touristes. Il faut savoir que donc l'association RELF, on est 200 bénévoles qui tous les ans suivons les 2500 km de sentiers qu'il y a sur le parc. Donc on balise, qu'on entretient et on participe également aux éditions de topo. Et il y a une douzaine de topos qui sont édités par le travail que font nos bénévoles, en bien entendu en coordination avec les communautés de communes de l'ensemble du territoire. Et le parc Livradois-Forez également, qui nous aide à ce niveau-là. Alors, bien ? Pour le moment, ça va, ça va être le fond de l'autre côté, là, non ? Après, ça va. Oui. Alors, moi, depuis l'année dernière, là, ça a été plus compliqué, mais là, ça va. Idéal. Ouais, voilà, c'est bien là. C'est le temps idéal pour marcher. Ah, oui. Là, je vais faire le 25 km. Et t'es habitué à faire de la marche alors ? Ah ouais, moi j'aime bien faire la marche. Tu fais souvent des randonnées ? Là, l'année dernière, j'en avais fait une de 50 km en 3 jours. Vous étiez sur quelle longueur ? 14. Alors, c'est moi qui vais vous enregistrer. Allez, je vous donne ma feuille. Bah, juste pour voir votre numéro, pour voir que vous êtes arrivé. Vous avez de quoi vous restaurer à d'accord. L'intérieur. Merci, hein, madame. Vous savez. Merci. Le compte peut aussi se faire au cours d'une randonnée. Une pause peut être l'occasion de commencer une histoire qui se poursuivra à la pause suivante, qui se poursuivra à la pause suivante et qui peut se clore en même temps que la randonnée. J'en étais au sourire de la jeune fille. Alors que justement, il est en train de peindre le sourire de cette jeune fille, on frappe à sa porte. Tuolan, très absorbé par son travail, dit « entrez », mais comme la porte ne s'ouvre pas, alors, il se lève et va ouvrir la porte. Et il découvre là, dans l'encadrement de sa porte, un personnage long, vêtu d'une vaste cape, qui porte une vieille fourrouillée sur l'épaule. Et ce personnage lui dit « Je suis la mort. Je suis la mort et je viens te chercher, ton heure est venue. » « Bah, bien, dit Tuolan, eh bien, mais entre donc la mort. » Installe-toi, je termine mon travail et je suis à toi. Recule. Avant. Recule. Ah, d'accord, je vais trop vite. Ouais, il faut faire. Allez, là.
Thank you.